Donc on va continuer dans la qualité, hein, c'est le thème de la journée, hein, que ce soit ce matin en théorie ou cet après-midi en pratique. Qualité, qualité, qualité. Désolé de parler encore d'athlétisme, mais notre prochain intervenant est issu, pour moi, du monde de l'athlétisme. Ancien entraîneur en athlétisme pendant de longues années, entre 84 et 92. C'est de Fred Aubert que je parle, hein, c'est un professeur d'EPS agrégé également. Et définir le parcours de Fred, ça serait un petit peu le parcours du combattant. Donc je vais aller sur les grandes lignes. Hein. Après avoir quitté l'athlétisme, il a travaillé dans le monde du rugby avec le Stade Français Rugby pendant de nombreuses années. Il a même été, dans cette période-là, entraîneur, préparateur physique de l'équipe de France de rugby, du 15 de France. Touche à tout, je vous l'ai dit, il est passé dans le basket avec l'équipe féminine dans un premier temps, l'équipe de France. Je vais aux grandes lignes, Fred. Badminton. Voilà, donc il y a le badminton, excuse-moi Frédéric. Après, il y a eu le basket féminin et le basket masculin également. Et puis actuellement, eh bien, il est à la Fédération française de football. Donc, vous l'avez vu peut-être là pendant la petite pause, il est aussi auteur de pas mal d'ouvrages, en particulier sur l'athlétisme. Mais vous aurez compris que l'athlétisme est une bonne base. Et puis, il est aussi en coécriture avec Thierry Blancon sur un livre intitulé « La préparation physique » que j'ai également et qui est très intéressant, que je vous conseille. Donc je vais laisser la parole à Fred sur la préparation physique, évolution des approches et des méthodes. Merci Frédéric. Ouais. Merci Stéphane, je ne peux pas t'en vouloir d'oublier le badminton à toi, mais c'est dire que chacun des sports que l'on traverse, et ce que disent les collègues se retrouvent, tout sport que l'on traverse nous enrichit. Et je vais vous dire, lorsque je quitte l'athlétisme et que je vais sur le rugby, ça va, vu l'échelle du terrain, quand on me dit tu t'occupes des lignes arrières, que Bernard Laporte me dit je veux des sangliers qui ont de l'envie, je veux des soldats qui s'envoient, et qu'il faut les faire courir vite, ça va bien. Par contre, est-ce que j'aurais pu servir le basket aussi bien que je pense l'avoir fait si je n'étais pas passé par le badminton? C'est pas prouvé, parce que l'effet d'échelle est énorme. Regardez ce que c'est qu'un terrain de badminton divisé par deux en ce qui concerne l'évolution du joueur. Et ça m'a quand même permis de comprendre ce que nos pivots, nos joueurs intérieurs, avaient comme faible espace dans la raquette pour évoluer. C'est un aspect, mais simplement parce que dans mon parcours, je tiens à dire que je suis passé par le badminton où j'ai été très bien accueilli, comme par les rugbyman, comme par les basketteurs. Les gens du badminton sont des gentlemen, j'ai été très bien accueilli. Il a été évoqué que... Michel l'a dit, il faut avoir cette capacité d'analyse technologique de la discipline pour laquelle on travaille. Et qu'on vienne de l'athlétisme ou d'ailleurs, ce que l'on peut avoir de commun, c'est cette lecture du sport pour lequel on veut travailler. Et là, les techniciens nous aident énormément. J'ai passé des temps à la vidéo, au badminton, pour comprendre les subtilités entre le simple double, l'activité des femmes étant différente des hommes vu la puissance. On retrouve ça un peu au tennis, etc., etc. Alors, je ne viens pas vous faire un cours, je viens faire un partage d'expérience, un partage de vue, un partage de ressenti, et vous dire que c'est toujours émouvant d'aller à la rencontre de nos collègues, jeunes s'il en est. Je ne suis pas encore à la retraite, elle arrive doucement, je la vois poindre, donc vous ne payez pas encore ma retraite. Michel, je paye la tienne, mais tu m'as tellement apporté que ça me fait du bien de le penser. Je ne parle même pas de Bernard, mon pygmalion et mentor. Accrochez-vous bien. Mon bac n'est même pas sec que je démarre mes études de prof de PS et j'ai M. Bernard Gros-Georges comme prof de basket qui me fait l'école de psycho et qui m'enseigne le rouleau ventral. Applaudissons, s'il vous plaît. Alors, l'autre aspect aussi, c'est une grande admiration pour les collègues qui sont là. Parce que, pour le coup, lorsque l'on porte parfois des maillots avec estampillés olympiques et tout, ouais, ça impressionne. C'est pas des crâneurs, ces mecs-là. C'est des monstres de générosité. Olivier m'écrit depuis Tokyo lorsqu'ils sont en plein tournoi de qualification olympique. Il m'écrit pour me parler de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Et puis il me relance depuis Rio. Alors vous avez vu les décalages horaires, hein, et Paris-Tokyo, ça va dans un sens, et puis Paris-Rio dans l'autre. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont les fers au feu, ils ont les chantiers, ils sont dans des missions
d'entraînement au plus haut niveau. Et là encore, quand on parle du plus haut niveau, ça ne doit pas être une barrière entre vous et nous. Ça a bien été dit. Oui, il y a le haut niveau, c'est la cible, c'est la comète de Halley. Très bien, mais entre la Terre et la comète, il y a tous les échelles de pratique. Et franchement, soyez certains de cela, nous ne mettons pas le niveau de performance dans lequel on évolue comme une barrière, une distance entre vous et nous. Sinon, on se trompe. Et puis, vous avez raison d'être là. Vous avez bon. Parce que c'est à vous de vous occuper de ce que vous allez devenir, de ce que ce métier peut être, parce que fatalement, vous l'aimez, vous êtes des passionnés. Michel, Bernard, moi, la préparation physique nous est tombée dessus. Quand on nous demande, mais comment fait-on pour être préparateur physique ? Les diplômes n'existaient pas quand on a démarré cette mission. À tel point que Bernard, lui, il a créé le diplôme pour le basket. Trois fédérations ont leur diplôme de préparateur athlétique ou physique. Le tennis, le basketball et le football dont je m'occupe, c'est le meilleur diplôme désormais. Je vous remercie. LOL. Bernard a créé le diplôme de préparateur physique du basketball parce qu'il n'y en avait pas. Donc vous voyez pourquoi finalement on a ce regard très affectueux en votre direction, parce que la préparation physique nous est tombée dessus. Je vais humblement essayer de partager quelques aspects de ce métier, mais alors relativement, car on doit se compléter, c'est plus du côté méthodologique, du côté de l'histoire des méthodes, et puis vous vous y retrouverez. Je vais aller assez vite pour qu'il y ait quand même un temps d'échange, parce que c'est peut-être ce qui peut manquer dans notre rendez-vous. Il n'y a pas ce temps d'échange, alors il y aura peut-être, parce que je discutais avec Michel, notamment si on veut éradiquer le concept d'affûtage. Non, il faut faire comme on le fait pour les qualités physiques, le revisiter d'abord avant de l'éradiquer. Ça, c'est un clin d'œil pour mes collègues. Voilà. On en est d'accord ? Une fonction, un registre. Super. Et j'appuie. Oh oui, la sauce. Avant d'être un métier, ce que je vous disais, les diplômes sont sortis des institutions, les DU, les DESS, parce que ça a été une réponse à un besoin identifié. Et parce que ce besoin identifié, tout ce qui se met en place aujourd'hui, et le discours de Stéphanie est énorme, on doit se regrouper en syndicat plus qu'en association, parce qu'il faut absolument appuyer sur les leviers de reconnaissance, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de nous. C'est plusieurs métiers en un. On y reviendra. Ça a été évoqué par Stéphane. La préparation physique est en proie au label et aux chapelles. Alors ça, c'est important. C'est entre les lignes de ce qui est dit. Ça a été avancé et méfions-nous de ça. Parce que comme s'il y a de l'argent et s'il y a un pouvoir de performance, il y a donc des pouvoir de positionnement. Lorsque je vois les parutions, ce bouquin-là que j'ai acheté, qui est excellent, il me gêne sur un point. La Bible de la préparation physique. Mais où on est ? Pourquoi pas le Coran aussi ? Non, non. Peut-être contribution biblique à la préparation physique, j'aurais préféré. Mais lorsque le diplôme à Dijon reste le diplôme Cometti, ça me dérange. Cet homme qui nous a tant apporté devrait avoir. On doit donner son nom à l'université de Bourgogne. Oui, mais pas le diplôme Cometti. Gilles n'est plus de ce monde. Paix à son âme et merci pour sa contribution. C'est pas le diplôme Cometti. Donc je vous le dis, CrossFit de Reebok, cette diarrhée méthodologique. Ok, voilà. La préparation physique est en proie au label et aux chapelles, et ça a bien été dit par Bernard, par Michel, c'est voilà, gardons la raison, et ça n'est pas simple pour autant, mais on sait qu'on se fragilise à s'embrigader sous une firme, sous une méthode pour elle-même seule. Alors, Michel, tu as des définitions fondatrices.
j'ai vu que va falloir que je me réactualise parce que tu l'as fait bouger. Et oui, les concepts bougent. Pour autant, en 1996, date du livre que Stéphane Caristan a acheté, c'est le premier livre sur la préparation physique de façon générique, imprimée. Il y a eu des opuscules faits dans les fédérations. Il y avait cette définition. Qu'est-ce qu'elle est fonctionnelle ? Elle est éminemment fonctionnelle. Un ange passe. Plus tard, j'ai repris le flambeau et cette définition n'annule en rien la précédente. Et je situais le fait qu'on est partie intégrante du système d'entraînement. Bernard l'a évoqué. Est-ce qu'on est du médico-technique, du médico-physique ? Vous voyez, lorsque j'ai travaillé avec le basketball, où je vous le dis encore, j'ai été très bien accueilli, Jean-Pierre de Vincenzi l'a évoqué, je devais cette belle aventure à Bernard, eh bien, je me suis battu pour que le préparateur physique soit sur le banc et soit reconnu faisant partie du staff technique. Je vous raconte cette histoire. En 2010, lorsque se fait la photo de l'équipe et du staff, l'attaché de communication me dit « Non, Fred, t'es pas sur la photo, cette photo-là, elle est sérieuse. » J'ai réglé mes comptes. Et je peux vous dire que le DTN actuel, M. Patrice Bisley, parce qu'il était sur le terrain, parce qu'il était au contact véritablement de la performance en étant le manager de l'équipe de France masculine, il l'a compris ça, il l'a compris. Et puisque je vous raconte des histoires, je veux vous raconter celle-là. On est à table à Pau et le manager, pas encore DTN à l'époque, dit « Cet après-midi, c'est la photo. » Et je vous rappelle que le préparateur physique fait partie du staff technique. Vous voyez ? Donc, nous allons nous regrouper en syndicats, luttons, avançons, ok ? Pensez un instant à Martin Luther King qui doit se retourner dans sa tombe s'il savait que Obama aurait été un jour président des États-Unis. Okay. Bon, je ne parle pas aussi qu'à un moment donné, le meilleur rappeur était blanc et le meilleur golfeur était noir, mais bon, ça vous le savez. Okay. Les choses avancent, évoluent, sont vivantes. En respect de son intégrité physique, et bien évidemment, les ressources physiques sont notre cible. Et autour des ressources physiques, effectivement, il y a les aspects mentaux, les aspects technico-tactiques, etc. Toutes choses qui ont été évoquées avant, je vais avancer. Alors, vous connaissez ceux qui ont eu l'occasion et moi la chance de les rencontrer. Et bien, vous connaissez cette overview. Et elle nous rappelle que du côté de la discipline, il faut toujours travailler, analyser, revoir la technologie de la discipline. Et comme l'évoquait Michel, c'est presque plus facile pour nous si on ne vient pas de ce sport. Donc obligation pour les préparateurs physiques qui viennent du sport même pour lequel ils travaillent, ne croyez jamais que cette analyse de la discipline, elle est là une bonne fois pour toutes. Elle est reformulée sans arrêt. Le calendrier, l'adversaire, les connaissances scientifiques, les outils technologiques viennent bouger toujours ça. Donc, toujours. L'individu, bien sûr, il ne s'agit pas de se masturber devant nos méthodes, mais toujours de regarder l'individu pour lequel on travaille et avec qui on travaille. Alors, du coup, eh bien, voici les registres dans lesquels on ne doit pas être fragile. Il y a une dimension généraliste, à minima, chez le préparateur physique, c'est cette connaissance-là. C'est la maîtrise de ces domaines-là. C'était intéressant d'entendre Jean-Pierre de Vincenzi d'entrer nous dire que le préparateur physique le rassurait dans les domaines de la planification. Je peux confirmer, corroborer cela. En 2003, lorsque, avec mon ami et collègue Daniel Servet, on rejoint le staff de Bernard Laporte pour la Coupe du Monde 2003. Bernard Laporte, c'est sa première Coupe du Monde. Et tant qu'il s'agissait des tests de novembre ou du tournoi des 5 nations à l'époque, c'était pas encore les 6 nations, eh bien, il était en visuel du match. Mais tout d'un coup, pour la Coupe du Monde 2003, on récupère les joueurs le 30 juillet. Et le premier match était le 11 octobre à Sydney. Et Bernard nous fait, les gars, on récupère les joueurs le 30 juillet, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps-là ? Et Daniel s'y est collé, nous nous y sommes collés tous les deux, et il a proposé une planification. Et notre head coach s'est détendu. Et un coach détendu est toujours meilleur, vous le savez.
les contenus de préparation physique sont pour servir cet écart entre l'individu et la discipline. Comme nous l'a dit Michel, c'est parce qu'il y a des gains à traiter le physique support et au service de la discipline, des aspects spécifiques de la discipline. Si on ne fait que celle-là, que cette pratique spécifique, eh bien, on est un peu comme le hamster qui tourne dans sa roue-là d'échelle. Pour autant, eh bien, et Stéphane l'a bien fait apparaître, Stéphane Morin l'a bien fait apparaître, pour autant, il va y avoir des extensions. Alors, oui, il y a plusieurs métiers. Olivier nous dit 89 cartes professionnelles différentes. OK. Donc, oui, le coaching personal trainer, c'est intéressant cette partie du métier parce qu'on est vraiment en un pour un. Et moi, c'est une partie que je ne suis pas tellement motivé par cette dimension-là s'il s'agit d'être auprès d'un chef d'entreprise qui mérite tout autant d'être accompagné pour tenir son jet lag, ses repas d'affaires, ses journées marathon. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai d'érection que pour la performance sportive. C'est comme ça. C'est bon. Par contre, si cette même personne me dit « j'ai un séjour de ski et je dois m'envoyer grave », ah là, je vois la cible. Je vois la cible autre que son hygiène de vie et son équilibre de chef d'entreprise. Ah, là, ça m'intéresse. Donc, le personal trainer et le coaching, on y est tous par rapport à un projet personnel de chacun de nos joueurs au sein d'un collectif. Merci Stéphane pour ton éclairage, parce que le monitoring est là aujourd'hui. Si on parle d'individualisation, et je mets cette bulle dans cette partie-là de la diapo, parce que il faut percer le brouillard, il faut éclairer la nuit, et si on parle d'individualisation, la dimension monitoring dans le sujet du sportif est incontournable. Pour justement, t'as vu, on ne s'est pas contacté, mais je mets la planification juste dessous. Voyez. Alors, tels les propylées du temple, ce sont les deux colonnes du temple égyptien ou grec, là, bam, eh bien oui, les filières bioénergétiques, le traitement des efforts au travers de leur calibration bioénergétique, puis le renforcement musculaire, l'ensemble des méthodes augmentant le potentiel de force, sont les deux propylées de la préparation physique. C'est pourquoi je dis, bon oui, on est des athlétiseurs. Aimé Jacquet parle à Robert. Muscle ton jeu, Robert. Muscle ton jeu. Oui. Ça va se faire en dehors du terrain. Il y a dans le football un entraînement bien spécifié qui est l'entraînement des gardiens de but. J'aime beaucoup l'entraînement des gardiens de but et dans mes missions à la Fédération, je travaille pour ce diplôme et avec les formateurs. Le spécifique gardien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous demande de vous intéresser à ce que font les entraîneurs de gardiens dans le spécifique gardien. Pour autant, lorsque l'entraîneur de gardien a envoyé la balle dans la lucarne et que par manque d'explosivité neuromusculaire sur la chaîne des extenseurs, le gardien n'y arrive pas, tu peux lui envoyer 10 fois le ballon, c'est pas ça qui va améliorer sa détente spécifique. Ça y est, la messe est dite. Il va falloir y aller, là. Allez, et vas-y. Et du contraste de charge, et de l'haltérophilie, et du statodynamique pour y aller sur les grands faisceaux de l'amélioration de l'explosivité. Donc, c'est de l'athlétique, et j'en passe, c'est des meilleurs. Réathlétiseur. Ça, c'est devenu, compte tenu du coût de ce qu'est un sportif de haut niveau, mais aussi parce que tout athlète, tout sportif a besoin d'un accompagnement particulier dès lors qu'il est blessé. Ça a généré ce métier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de staff qui comptent dans leur effectif le réathlétiseur. Est-il un kinésithérapeute qui a fait sa formation de préparateur physique? Est-ce un préparateur physique qui a beaucoup de sensibilité paramédicale? Toujours est-il que là, on est dans une dimension spécifiée. Et à Clairefontaine, au centre médical de Clairefontaine, il y a un certain Geoffrey Mémin qui excelle dans la réathlétisation. Je ne parlerai pas de ce qu'il y a à Cap-Breton, de ce qu'il y a à Berck et ailleurs. Chaque fois qu'il y a des centres de rééducation, il y a des préparateurs
physique spécifié là-dedans. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gars-là parce que, ou ces filles, ou ces femmes, parce qu'il faut à chaque fois remonter un sportif depuis sa blessure, et quand enfin il est remonté, il vous quitte. Moi, je ne serais pas très endurant dans cette seule mission pour ma part. Donc, c'est vraiment un sacerdoce, quelque part. Mais ça génère la préparation athlétique et le système d'entraînement vers la performance de haut niveau a généré ça, et ça doit redescendre. Alors, yoga pilates, expression corporelle. Dans cette maison, il y a des gens qui œuvrent à améliorer la gestuelle, le ressenti kinesthésique, la fluidité du mouvement, alors qu'il s'agit de sprinteurs, il s'agit de sportifs de combat, et ce sont des gens qui peuvent venir du fitness, de la danse, de l'aérobic, du yoga, du pilates. Vous voyez, ça c'est une dimension qui arrive aussi et qui s'ajoute aux compétences à ce modèle. Et enfin, et c'est tant mieux, comme l'a dit Stéphane Morin, si ces gens-là viennent du métier d'entraîneur ou de préparateur athlétique, toute la dimension vidéo, GPS, technologique, permettant d'éclairer la dimension de la discipline, ce qu'elle est, tout ce qui l'a fait fonctionner au plan technologique. Oui, ça aussi, ça... Alors là, vous avez en gros le staff du Stade français rugby en prépa athlétique, vous avez le staff du Métro Racing, du PSG probablement, et ça, c'est demain. Ça, c'est demain. Hein. Parce que ce qui alimente, bien sûr, vous pouvez mettre un grand signe, les euros ou les dollars. Voilà. Parce que le joueur coûte cher, quand il est à l'arrêt ou quand il n'est pas performant. J'ai récupéré ce dessin probablement d'un de mes cahiers du SNEP, et c'était relativement au prof EPS à l'époque. On peut tout à fait le reprendre. Hein. Là, vous retrouvez l'analogique. Et puis, s'ils font chier qu'ils ne descendent pas du bus, je jette le chrono. Depuis, j'en ai acheté un en coque carbone. Le ludique. Ouais, le ludique. Alors, vous voyez, même dans le milieu du football, où, alors là, je suis très bien accueilli. L'évolution aussi, il y a plusieurs footballs. Hein. Le football de la Fédération française de football, c'est des techniciens qui travaillent, qui réfléchissent, qui sont ouverts. Hein. Je veux être le témoin d'un changement de mentalité de l'encadrement du football au niveau de la Fédération. Et j'ai un accueil extraordinaire. Quand je suis arrivé en septembre 2013, mon successeur était parti dans le milieu pro et les entraîneurs nationaux m'ont accueilli et m'ont dit « Frédéric, on est content de te voir parce qu'on était orphelin d'un préparateur athlétique. » C'est pas gentil, ça ? Et puis, bien sûr, il y a le numérique. Il ne faut pas les opposer. Il faut les connecter. Et de la même manière que l'on a dans la structuration de notre cerveau des couches antérieures, hein, on a bien un cerveau reptilien. Eh bien, il faut toujours rendre et retrouver ces moments, ces époques. C'est de ça que je vais vous parler. La dimension militaire, elle était parce qu'il était nécessaire de rendre rustique et robuste l'individu pour aller à la tâche du combat. On a toujours cette approche commando et d'aguerrissement quelque part. Quand ça ne va pas bien, eh bien, on réunit l'équipe et on l'envoie à Mont-Louis. On lui fait vivre une nuit en dehors avec une lampe frontale et puis peut-être une boussole. Et puis on le fait trimer, etc. Il y a toujours ça. Ça nous reste. La dimension prof EPS, avec à cette époque-là, lorsque les médicaux avaient pris la suite des militaires, c'est la rééducation posturale, c'est l'éducation physique utilitaire et professionnel. Merci Michel. On a besoin toujours de nos pères. Toujours. Culture physique plurielle et multiforme, approche psychomotrice, pratique d'APS multiple. De ce qu'on retient là, c'est attention à la pratique précoce spécifiée sur une seule discipline. Les athlètes ont fait leur révolution avant le 21e siècle. Non, on ne peut plus prendre un gamin et lui faire lancer le javelot dès 9 ans. Et que ça. Pratique
multidisciplinaire, pratique combinée, je l'ai retrouvé. Oui, j'ai quitté l'athlétisme en 97, excusez-moi. Mais je reste un athlète au service des autres sports, de toute façon. Alors la préparation athlétique, lorsque la didactique a commencé à submerger le PS et qu'on a atteint le SIDA, le syndrome institutionnel de didactique aiguë, il était temps d'arriver vers un peu plus d'athlétisation. Alors ça a été les entraîneurs d'athlétisme. Oui, on a eu notre époque où les entraîneurs d'athlétisme étaient devant. Mais j'y rajoute gymnique et haltérophile. J'y ajoute parce que c'était la dimension vraiment performance athlético-physique. Et je vous le dis, l'athlétisme n'appartient pas aux athlètes. L'anglais n'appartient pas aux anglais. Et donc, un mauvais entraîneur d'athlétisme vous fera un mauvais préparateur physique. Et un bon entraîneur d'athlétisme, il regarde l'individu, il regarde la discipline, il regarde quels sont les outils que l'on va tordre en direction de servir la discipline. Bien évidemment, c'était le développement du foncier, le volume avant l'intensité, la méthodologie pyramidale et PPG. Il y avait quand même des réactions un peu retors et légitimes de la part des sports collectifs parce que la planification de l'athlétisme ne peut pas coller au temps de préparation des sports collectifs suivi de la succession de matchs. Il y a eu un phénomène de reflux et un de mes maîtres méthodologiques, un de mes maîtres en méthodologie, je cite M. Fernand Hurtebise, quand il a parlé de la pyramide inversée, eh bien, on a eu la reconnexion de ce qu'était la dynamique athlétique et les besoins des sports co, avec l'idée qu'on pouvait partir de la qualité vers la quantité de qualité au juste contour de l'épreuve. Mais comme la pyramide inversée va tomber au moindre coup de vent, il y avait vraiment l'étayage avec l'aérobie et le renforcement musculaire. C'était un très bon modèle. Et quelque part, quand vous avez des entraîneurs de tir à l'arc qui vous disent « Ah, mais ce modèle-là, il colle dans ma discipline », et qu'un autre dans un autre sport vous dit, ben voilà, il y avait des pistes. Le préparateur physique, technicien, stapsien, c'est peut-être, je dois mettre 96-98, c'est lorsque effectivement il y a eu les premiers diplômes, les premiers DU, les premiers DESS, et là on veut y mettre du rationnel, on y met du testing, le support scientifique, les outils technologiques affleurent. Et on passe au concept d'entraîneur physique dans les fédérations. C'est le nom donné au tennis. C'est un certificat d'entraîneur physique du tennis. Et chez nous, au football, c'était le CEPP, certificat d'entraîneur préparateur physique, monté par Guy Stéphan. Et il y a dans la salle un collègue qui a été de la première promotion du CEPP. C'est toujours émouvant. Parce que c'est fondateur. Lorsque j'ai pris la suite en 2013, j'ai transformé le deuxième P en A, simplement parce que c'était pour restituer au football un terme qu'il utilisait. Quand j'intervenais en extérieur, depuis ma posture d'intervenant extérieur, dans les années 2003-2005, je voyais dans les organigrammes de semaine, dans les planifications même d'entraînement, PA. PA. Et c'est quoi PA? Et là, il est presque gêné. Il me disait, bah oui, Fred, nous, on parle pas de préparation, on parle de préparation athlétique. Et là, j'ai fait, yes! Préparation athlétique. Pas seulement parce que le terme athlétique me caressait dans le sens du poil, vu que je venais de l'athlétisme, mais parce que, au moins, ça montre bien dans le débat préparation physique intégrée, préparation physique dissociée, que si tu veux athlétiser le joueur, il faut le sortir de son sport. Il faut le sortir de sa pratique spécifique, pas de son sport, de sa pratique spécifique. Et donc, préparateur athlétique, c'est le champ des compétences que l'on a vu dans la diapo précédente. Ouais, on maîtrise la kyrielle de méthodes de renforcement musculaire en fonction du registre et de la nature d'expression de la force que l'on veut. On maîtrise le traitement des filières bioénergétiques, on ne se trompe pas en faisant de la vitesse, en pinçant les récup pour basculer dans l'autre filière. Voilà, et j'en passe. Et si on monte, eh bien, vous voyez, l'intervention substantielle de Stéphane Morin avant nous, voilà, le monitoring, c'est véritablement
l'arrivée de moyens pour monter la vision individuelle de la préparation physique. Alors, au pas de charge, le mode militaire, devenir rustique, organiser des stages commando au début ou en cours de préparation, on a toujours ça. Voilà ce que j'ai récupéré sur le site de les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, stage commando, école de la vie. Face à l'adversité des éléments et confronté à des situations physiquement éprouvantes et stressantes au plan émotionnel, les élèves officiers doivent se forger des attitudes comportementales exemplaires, susciter l'adhésion et développer la confiance dans leur aptitude physique et morale. Ben, quand ça craint, quand tu n'as plus de résultats, voilà ce que tu emmènes le groupe. Hop, allez, on va faire un petit moment commando. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient s'engager, j'ai même mis le lien. Voilà, on y est. Je vais peut-être aller un petit peu vite, on va se le refaire. Sans le. Ok ? Voilà. On y est. Donc, comme je vous disais, avec notre cerveau reptilien, il y a toujours dans l'histoire des méthodes des choses que l'on va conserver à des moments particuliers. Le mode prof EPS, culture physique, multiforme, éducation motrice, multidisciplinaire, pas de spécialisation précoce, mais aussi de la pédagogie. Un regard didactique. La didactique, ça n'est pas que de l'enculage de mouches aux équinoxes. La didactique, c'est aussi réfléchir sur les meilleures conditions d'un transfert d'apprentissage, de comment je formate mes contenus pour qu'ils soient bien assimilés par l'apprenant, et aussi ce travail réflexif, est-ce que ça le fait ou est-ce que ça le fait pas ? Quelque part, le monitoring doit être intégré à la didactique pour cette raison, parce qu'il va nous informer sur, mais est-ce que ça le fait ou pas ? Donc, on doit garder ça. On doit garder ça, le regard sur les différents âges de l'enfance à l'adolescence et l'adulte. Le regard, la pédagogie différenciée, oui, ça doit être des choses qu'on doit retrouver et qui doivent nous faire fonctionner. Donc, j'ai beaucoup de respect pour être moi-même enseignant d'EPS au départ, à une époque où les instructions officielles étaient couillues en sport. Hein, et les IO de 67, messieurs, dames, c'était quelque chose. Hein. Donc voilà, je suis de cette génération-là où il n'y avait qu'un seul corps. Les professeurs d'EPS, dans mon établissement scolaire, quand je démarre au collège d'Ormesson, au collège Saint-Exupéry d'Ormesson, là, Carrefour Pincevent, eh bien, j'étais le seul, enfin, nous étions seuls, les profs d'EPS, à être payés par la jeunesse et sport. On était tous des certifiés, mais le prof EPS était payé par la jeunesse et sport. Bon, je vais faire court. Le mode athlétique, concept d'entraînement foncier, approche pyramidale du volume vers l'intensité, haltérophilie, technique et méthode de musculation, de gymnastique, discipline du corps, force, agilité, souplesse dans la production codifiée de formes de corps. Voilà, ça c'est des apports. C'est des apports. Quelque part, travaillant dans le rugby, puisque c'est le rugby qui m'a transformé préparateur athlétique, la touche du rugby, cette ligne d'avant qui voit les piliers soulever les deuxièmes lignes ou troisièmes lignes, c'est de l'acrosport. La mêlée, c'est une forme d'acrosport. Moi, j'ai vu des piliers arriver. Il y en avait un, il arrivait de Clermont. Il était beau comme un Hercule, comme un Apollon. Il était bardé de muscles. Mais dans la mêlée, il se faisait tordre. Il se faisait tordre parce qu'il n'avait pas cette maîtrise mutante du corps pour... C'est ni un Fenwick, ni un tank, la mêlée. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui engage en cohésion, pardon. Alors, je vais vous faire mon coach Bernard Laporte au-dessus du joug. Il était là, oui. Entrez, poussez. Oh, il y avait le curseur. Oui, poussez plus fort. Et c'était extraordinaire de voir, c'était des belles scènes où le coach, il était sur le joug et il expliquait aux uns aux autres comment, avec une cohésion meilleure entre eux, le 8, on pouvait pousser le curseur. C'était des grands moments. De toute façon, je dois tellement au Stade français, à Bernard Laporte et au rugby tout entier que je peux que vous parler de ça.
le mode technologique, le préparateur physique et technologue de son sport. C'est vrai que le terme scientiste, encore une fois, c'est les Anglais qui nous la mettent par derrière. Hein, parce que... Ah oui, le fair play. Vous connaissez le fair play ? Vous connaissez le fair play ? Bah oui. Pas mal d'inventer par les Anglais pour que le vainqueur encule le vaincu. Bon. Donc les scientistes, ils y sont parvenus quand même. Hein, ils y sont parvenus, les scientistes. Mais bon, voilà. L'analyse de la tâche et l'évaluation du profil de ressources du sportif sont premières. Elles organisent la préparation physique. C'est peut-être ça qui vous permet de passer d'un sport à l'autre. Vous aurez les moyens, de, grâce aux apports de ces données, de ce champ, vous avez les moyens de gagner du temps pour passer d'un sport à l'autre. Maintenant, comme je dis, il ne s'agit pas de vous sortir du sport pour lequel vous travaillez. Parce qu'effectivement, là où aussi on a beaucoup d'admiration, c'est que nous avons des préparateurs physiques qui, dès le début de leur carrière de cadre, veulent faire préparateur physique. Michel, c'est énorme. Parce qu'ils font le deuil, quelque part, de ce managerat de la performance dans son ensemble qu'on a connu quand on était entraîneur d'athlétisme. Ils veulent tout de suite être responsables des pneus. Oui, mais chez Ferrari. Aujourd'hui, c'est Mercedes Petronas. OK. Alors, pour terminer, préparation physique à l'ancienne versus préparation physique moderne. Eh bien, anciens et modernes doivent se retrouver. Et pour faire de l'actuel. Pareil, lorsque je vois un livre intitulé « La préparation physique moderne » par deux personnes que j'apprécie pour le moins... Je leur dis non, pourquoi moderne ? Ouais, actuel, réactualisation. Parce que, c'est-à-dire que tous les autres bouquins sont vieux. Tout ce qui n'est pas la Bible est donc impur. Ok ? Bon. Voilà. Je vais m'en tenir là. Je vais juste regarder. Oui. Si, je vais vous sensibiliser. Parfait, je vais vous sensibiliser à quelque chose. Vous êtes prêts ? Flash éclair. Cette présentation vous appartiendra de toute façon, donc vous la retrouverez. Les conditions de la réussite. Partage d'expérience. Votre mission est une commande du head coach. Il vous a choisi pour celle-ci. Prendre en compte les spécificités de la discipline et le démontrer. Ce qui ne vous pose pas problème si vous êtes judoka, préparateur dans le judo. Mais nous, athlètes venant dans le rugby, dans le badminton, dans le tennis, dans le basket ou le football, il faut pouvoir le démontrer ça. Et je peux vous dire que le DTN du football et comme le DTN du basket m'ont audité pour savoir si j'étais prêt à travailler dans ce sport en respectant. Ça a bien été dit. On se doit de travailler sur des décalages qui vont... améliorer et optimiser, tout en démontrant qu'on pense football. Je mange football, je dors football, je travaille pour football. Mais je ne suis pas entraîneur de football, je respecte, et souvent avec mes collègues à Clairefontaine, quand on parle football, je les écoute. Puis tout d'un coup, je lève la main et je pose une question de Candide. Et là, merde, j'y avais pas pensé. Mon ami et clone blanc, Thierry Blancon, qui vient au conseil... des entraîneurs de roller. Les entraîneurs de roller leur expliquent que sur piste, tous les départs se font devant une courbe. Alors il fait « Ah ouais, okay. Donc comment vous travaillez le départ ?» Et là, il voit que des situations de départ en ligne droite. Ben oui, faut le Béotien ou le Candide, le Candide, il dit « Oui, mais pourquoi vous ne travaillez pas le départ en virage alors que tous vos départs sont en virage ?» Et là, les gars... Okay. Nous, en athlétisme, on a deux départs en ligne droite et en virage, on a les deux. Votre poste dans le staff relève d'une mission experte. Ça a été dit, vous devez être expert. Et alors, si vous avez un spécial, parce que ce que je vous propose, c'est de ne pas être fragile dans aucun des compartiments, des registres, ne soyez pas fragile. Par contre, oui, si vous avez un spécial, c'est pour celui-ci souvent qu'on vous fera intervenir. Dans la communauté des préparateurs athlétiques, si vous avez
une expertise plus pointue qu'une autre. C'est celle-là qui va intéresser les spécialistes, les non-spécialistes, parce que pour le reste, on est dans le champ des compétences communes. Asseoir sa compétence, il faut qu'il y ait des résultats à court terme, très vite, parce que on peut être vite éjecté. Le rayonnement, c'est écrire. Encore une fois, je l'ai acheté ce bouquin, il est excellent. Ne déformez pas mon propos. J'ai attaqué les deux premiers mots du titre, mais c'est un très bon bouquin. Il faut écrire, il faut partager. Et ça peut que renforcer notre corps de métier. Et un clin d'œil à Amphora, qui ne développe pas la pensée unique. Je suis estomaqué par le nombre de bouquins que cette maison d'édition a sur le renforcement musculaire. Il y a de multiples auteurs pour servir le renforcement musculaire. Donc c'est bien la preuve que c'est pas la pensée unique. Des fois même on s'interroge, mais c'est pas mon problème. C'est presque se torpiller soi-même que de faire autant de bouquins. Non, ça veut dire il y a des apports, il y a des façons de voir, et à nous de tresser, de voir les angles multiples que chacun de ces livres offre sur le renforcement musculaire, par exemple. Ça, c'est quand vous êtes bien en place. Vous ne devez pas être gratuit, même si au début, faut donner au début. Mais in fine, on ne doit pas être gratuit. Et c'est bien dans ce sens-là que va la constitution de notre syndicat. Reconnaître notre cursus de formation, nos compétences, pour être, in fine, rémunéré. Oui, la préparation physique est à la performance ce que la grammaire est à la poésie. J'ai eu le bonheur de voir des titres. Et à chaque fois que je voyais des titres, je me sentais un tout petit bonhomme, parce qu'à ce moment-là, tu vois tes sportifs performer au plus haut niveau, réussir, ramasser le trophée. Ils ont intégré et assimilé tout ce que tu leur as proposé en matière de physique. Et là, tu te dis, ouais, chapeau les gars, chapeau les filles, on se sent un tout petit bonhomme. Louis Pasteur, on peut aller on peut le convoquer. Voilà. Tu peux bien travailler et ne pas gagner, ce que j'ai connu avec l'équipe de France féminine de football cet été aux Jeux Olympiques. Mais si tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien du tout, comme dit Philippe Lucas. Donc s'il y a des espaces de chance dans le sport, si d'aventure il y en a, ces espaces de chance vont sourire aux mieux préparés. En sport, la chance n'existe pas. C'est une préparation qui rencontre une opportunité. Cet entraîneur-là a répondu ça aux journalistes lorsqu'il sort d'avoir gagné le Super Bowl. Et ils lui disent « Monsieur Royal, vous avez eu beaucoup de chance aujourd'hui. » Voilà ce qu'il leur a mis à la gueule. Un hommage à un des entraîneurs que j'affectionne énormément, Monsieur Pierre Vincent. Parce que c'est deux phrases que j'ai collées, en fait. Et tous les matins, elle me fait fonctionner, cette phrase. Je vous remercie de votre attention.